Petits amis YouTube, une vidéo un petit peu courte, enfin je pense qu'il va être courte, pour vous montrer un bug ou un hack qui est actuellement dans Hearthstone. Donc vous voyez, là j'allais gagner, hein, honnêtement, bon je suis rang 8, on s'en fout, hein, dans l'absolu, ça vous spoil un petit peu, et ça c'est dommage, mais bon voilà, je suis rang 8, je fais ma partie tranquillement, j'arrive à 8 clean natal, j'arrive à tout faire, il a plus qu'une carte en main, vous voyez qu'il a plus que 11 cartes dans le paquet, j'en ai plus que 6, mais j'ai quand même 5 cartes en main, je suis en très bonne position pour gagner. Alors là vous vous dites, mais pourquoi il fait cette vidéo? Enfin c'est bien, d'habitude il enregistre des matchs complets quoi. Pourquoi? À quoi ça sert d'enregistrer un bout de match? Maintenant j'ai une question, est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Eh oui, le tour passe pas, vous voyez j'ai fait tour adverse. Ça vient à mon adversaire de jouer. Sauf que, bah, comme vous voyez le tour ne passe pas. Ça continue. Alors je vais attendre quand même quelques minutes pour bien prouver ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que bah voilà, c'est pas la première fois que je le rencontre, ce bug ou ce hack ou que sais-je encore, hein, qui fait que bah, bizarrement on va pour gagner et puis on se retrouve voilà à avoir des flèches dans tous les sens toutes bizarres, à avoir des interactions. Enfin, on voit que l'autre joueur joue. Avec le enfin surligne on va dire des choses, hein. Regardez là, je surligne son arme, tout ça. Si vous faites un peu attention, on va peut-être voir effectivement le surlignage orange de mon adversaire. Mais il ne se passe rien, la partie est complètement bloquée. Et là, bah, écoutez, je vais être obligé de conceal, ou alors de faire un Alt F4 et d'arrêter. vous voyez, hop, il me dit même désolé, moi aussi j'ai eu de dire désolé. Désolé. Et voilà, c'est tout bloqué et on peut strictement rien faire. Donc là, ça fait plus d'une minute déjà que j'enregistre cette vidéo. Je me demande. Et c'est complètement bloqué de chez bloqué quoi. Et c'est malheureux quoi, parce que je veux dire, bon, j'étais quand même, enfin, j'étais quand même en train de monter, etc. pour vous faire des vidéos. Bon là, j'étais pas en train d'enregistrer, heureusement. Enfin, j'enregistrais pas cette séance là en tout cas. Mais voilà, la partie est complètement bloquée, je vais être obligé de perdre une partie, quoi, finalement. Alors que bon, voilà, quoi, je veux dire, j'avais tout pour gagner, quoi. Et donc ça, si je le mets aujourd'hui en vidéo, c'est pas pour rien, c'est pour montrer, parce qu'on me traite d'affabulateur quand j'ai essayé de le dire sur les forums de Blizzard officiel. Quand j'essaie d'en parler sur d'autres forums, pareil, on me dit, ouais, machin, t'es un noob, etc., tu racontes des bêtises. Attendez. Trouvez-moi une explication logique, j'en demande pas 50, hein. Une explication logique, donc soit c'est un bug effectivement, là bon bah ça arrive hein, après tout, même si le jeu est sorti, il y a encore quelques petits bugs, soit c'est quand même un hack ou c'est quand même quelque chose qui fait que on peut pas continuer à jouer. Et dans ce cas-là, c'est victoire automatique pour l'adversaire, parce que forcément, moi je vais en avoir marre avant lui, je vais faire un Alt F4. Sachant que je suis déjà resté comme ça une fois pour voir, hein, par curiosité. C'était avant un repas, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la partie tourner pendant plus d'une demi-heure. Et ça a rien changé. On est dans cette situation bloquée, je peux strictement rien faire. Voilà. J'ai ma créature qui dort. Je peux le menacer, je peux faire n'importe quoi. Si, voilà. Je peux strictement rien faire. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais... c'est complètement, bon, on va dire buggé, hein, pour pas parler de hack, hein, parce qu'après tout, on sait pas si c'est un hack ou pas. Donc on va partir du principe que c'est un bug, mais c'est quand même dommage, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc j'ai commencé la vidéo à 48, il est 51. 3 minutes, je pense que c'est beaucoup plus que le temps normal d'un tour dans Hearthstone. Donc voilà, hein, c'était. Cette vidéo, c'est surtout pour montrer ce genre de choses. Je sais pas si elle vous aura plu ou pas, mais bon, moi au moins j'essaye de montrer ça aux joueurs, parce qu'après tout, je suis peut-être pas le seul à qui ça arrive. Et je vous invite à le mettre dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Et ma foi,
Si ça vous est déjà arrivé, essayez de dire à peu près quand, etc., etc. Ça serait intéressant de voir si ça arrive souvent à beaucoup de personnes ou si je suis vraiment un cas isolé. Parce que si je suis un cas isolé, bah, c'est peut-être ça veut peut-être dire que j'ai un problème sur mon PC ou quoi. Mais je pense pas non plus, hein, parce que c'est ce que quand on envoie un mail à Blizzard ou quoi, généralement c'est ce qu'ils répondent. C'est ah, vous avez un problème sur votre PC. Bah non, non, je suis désolé. Moi, mon jeu marche très bien 99% du temps. Tous mes autres jeux marchent très bien. Je vois pas pourquoi, boum, sur ce jeu-là, il y aurait un problème, une partie sur, allez, on va dire une partie sur 30, il y a ce bug qui arrive. Et en ce moment, le problème, c'est que je le vois de plus en plus souvent. Donc c'est pour ça que j'en finis par faire cette petite vidéo test ou témoin, comme vous voulez. Voilà, en tout cas, bah, réagissez dans les commentaires. Et moi, en tout cas, je vous dis bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye mes petits amis de YouTube.